Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ici pour les tirages intemporels. Ce tirage est valable quand vous tombez sur cette vidéo. Sur quelle thématique? Est-ce que vous allez déménager dans les 3 mois qui arrivent? Si vous regardez ce tirage à n'importe quel moment, je vais faire une prédiction tirage de choix. Pour voir si vous allez déménager dans les 3 mois qui arrivent, est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, je vais utiliser les jeux de Monsieur Gravillon, donc le Zodiacus et l'Oracle du Mage Edmond, donc Umbéline. Vous avez les liens en barre d'infos pour ceux qui cherchent ces jeux. Donc ici, ce sera tirage de choix. Donc tirage de choix, choix 1, choix 2. Donc, je vais tout de suite prendre mon signe. Et ici, nous serons avec les Vierges. Donc, les Vierges, bienvenue. Je vais mettre la carte là. Et je vais préparer tout de suite les deux choix. Donc, ce sera 2 tableaux en 10 cartes. Et si vous désirez déménager, ce que je vous souhaite, hein, j'espère que ce tirage résonnera pour vous, puisqu'évidemment, je vais vous donner pas mal d'infos autour de cette histoire de déménagement. Ce qui est favorable, ce qui bloque, hein, on va voir. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les personnes qui veulent déménager. Vont-elles y parvenir dans les 3 mois à venir à partir du moment de visionnage de cette vidéo? Allez. Je recoupe un choix 1, choix 2. Allez, on y va. On y va, c'est parti pour le 1. Bon, comment ça va se passer? La trahison. L'étoile de l'homme. Vol, perte. Alors déjà, la première chose qui me saute aux yeux ici, c'est qu'il y a peut-être un conflit pour un homme ou en rapport avec un homme. Ouh là là, il y a peut-être une problématique ici pour vous autour de ce déménagement du fait que vous désiriez déménager parce que vous rencontrez des difficultés à cause d'un homme. Peut-être que... Alors, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez des difficultés avec quelqu'un. Vous le ramenez à ce qui résonne pour vous. Mais ici, on me parle d'être dans un environnement très malsain, d'être dans un environnement où vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Hein. On me parle ici d'une vie déséquilibrée, d'une vie où tout ce qui se passe autour de l'endroit où vous vivez, en rapport avec cet homme, amoureux, conjoint, ex, frère, fils, père, peu importe. Ici, il y a quelque chose à régler. Maladie. Alors, ça va être compliqué. Argent. Je pense que vous avez une problématique financière. Découverte, c'est pas mal. Allez, je pose tout. Le bonheur, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Allez, je mets mes 2 dernières cartes. Et on verra la synthèse à la fin. Mais ici, on me parle... Vraiment, c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait été malhonnête avec vous.
qui avait été malhonnête, qui est peut-être encore malhonnête avec vous, quelqu'un qui abuse de vous, qui profite de vous, c'est peut-être tout simplement le propriétaire ou le bailleur, agence, bailleur social, peu importe, chez lequel vous êtes actuellement, qui pourrait être un peu en mode arnaqueur, quoi. On ne fait pas les travaux, on ne répare pas ce qu'il y a de cassé, on vous fait toujours attendre, on souffle le chaud et le froid. Alors attention, hein, attention, parce qu'ici on est sur un tirage prédictif, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez à l'avenir lors de vos recherches sur ce type de personnage. Un propriétaire qui va vous vendre monts et merveilles, mais l'appartement finalement, une fois dedans, pourrait se révéler être pas à la hauteur de vos attentes. Ok ? On vous a vendu du calme, il y a une cour de récréation à côté, il y a du passage au niveau véhicule sans arrêt, impossible d'ouvrir les fenêtres. Bon, vous voyez un peu le genre. Alors, faites gaffe. Mais ici, je vois quelqu'un qui se rend malade. Quelqu'un qui pourrait peut-être manquer un peu de moyens financiers pour pouvoir parvenir à ce projet. Mais l'argent va arriver, l'abondance va arriver et vous allez enfin pouvoir, grâce à la résolution de problèmes financiers, envisager et élargir vos recherches, envisager quelque chose de beaucoup plus propice à vos attentes. On nous parle ici de bonheur, on nous parle ici de succès, on nous parle ici de main tendue, d'opportunités qui se présentent alors que vous allez galérer pendant un moment avant de trouver votre bonheur. Synthèse. Magnifique. Appui et pour parler. Donc ici, je pense qu'il se pourrait vraiment qu'il y ait des négociations, que vous soyez soutenu et que vous trouviez un endroit où vivre. On a, après une bonne période de galère, ici le bonheur. Donc, je pense que vos recherches, dans un premier temps, vont être plutôt compliquées, plutôt insatisfaisantes, hein, mais à la suite de ça, vous allez enfin trouver le lieu idéal. Il y a peut-être une petite négociation à peaufiner sur les modalités de paiement, de règlement, de montant de loyer, de charges et tout ça. Ok ? Et là, ça ira dans votre sens. Donc pour moi, impeccable. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de pouvoir trouver un arrangement avec la personne ou l'organisme qui vous louera ce logement pour peut-être payer tout ce qui est caution et compagnie en plusieurs fois. Donc on est au top du top. Allez, je vais passer au deuxième tirage. Pardonnez-moi. Donc, on change de pendule et allons-y. J'ai envie de mélanger un peu le jeu, donc je m'écoute. Pour les vierges, allez-vous réussir et parvenir à déménager dans les 3 mois qui arrivent ? Allez-vous parvenir à déménager dans les 3 mois qui arrivent ? Alors, je suis désolée pour le bruit, mais fenêtre ouverte. Allez, on y va. Waouh ! La clé d'une maison, la clé d'un appartement. Plaisir. Le cloître. Méchanceté. Procès. Y aurait-il un conflit là pour vous? Un conflit actuellement duquel vous voulez vous dégager? Nouvelle. Si ce n'est pas le cas, le trafic. Ça sent bon, ça sent bon. Campagne santé.
et la synthèse. Allez, c'est parti. Ici, on me parle d'ouverture. On me parle de retrouver une certaine sérénité. Si vous voulez, on se projette. On se projette réellement. Mais je pense que vous êtes peut-être en conflit avec... Il y a du conflit autour de l'endroit où vous vivez déjà actuellement. Mais ici, ouverture, on a envie de trouver un endroit dans lequel on pourrait se sentir complètement en sécurité. Vous allez trouver cet endroit. Cet endroit où vous allez vous sentir en sécurité, cet endroit où vous serez en dehors des conflits, cet endroit où vous pourrez vous mettre à l'abri de conflits de voisinage, de conflits avec une agence, un bailleur, un propriétaire. Ok ? Ici, ça y est, on veut en terminer avec ça et j'ai bien l'impression que ça pourrait être le cas. Vous pourriez, lors de ce changement de logement, vous retrouvez un petit peu en conflit peut-être avec l'endroit que vous quittez, hein, avec le proprio de l'endroit que vous quittez ou des gens de l'entourage, hein. En tout cas, vous voulez vous libérer de ça, hein, vous voulez vous libérer de ça et je pense que vous pourriez recevoir une très très bonne nouvelle. On a ici la carte campagne santé, hein, peu importe si vous recherchez une maison ou un appartement avec le trafic à côté. Même si vous pourriez pendant quelques temps batailler un peu, devoir essayer de vous imposer, de vous battre pour obtenir ce logement, c'est peut-être favorable. Ici, il y a une histoire de papier à régler aussi. Vous êtes peut-être ici dans une période de séparation, que ce soit avec un conjoint, une conjointe, hein, peut-être dans une histoire conflictuelle au niveau professionnel, au niveau familial. Il y a ici le fait de vouloir s'extirper de quelque chose de cet ordre-là. Synthèse. Waouh ! Waouh ! C'est un grand oui ! C'est un grand oui ! C'est un grand oui, les amis. Vous allez trouver un endroit non seulement qui vous plaît et où vous allez être avec la carte bleue complètement en sécurité, à l'abri des conflits, avec des facilités par rapport à tout ce qui va être environnement, commerce, commodité, de tout ce qui va être organisme de santé, radiologie, laboratoire, pharmacie, commerce, beaucoup aussi d'endroits où vous pouvez aller vous balader, de la verdure. Si vous cherchez une maison, vous aurez peut-être un jardin. On nous parle d'un endroit beau, d'un endroit de qualité, d'un endroit où tout est simple, tout est facile pour vous. Donc franchement, ici, on est au top, les vierges, au top, top, top du top. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !